Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tout le temps. Bienvenue sur TV La Caille. Jeudi, c'est vendredi 28 mai 2021. Nous comptons rejoindre tous les fanatiques, amis, compatriotes, quel que soit côté de la monde. C'est avec même plaisir à nous rejoindre chaque jour. Bon Dieu, mettez pour nous informer ou pour nous faire connaître qui ça a passé dans le pays d'Haïti ou bien dans le monde là. Nous remercions avant même nous entrer dans le détail avec le développement. Information à porter pour tous les fanatiques, nous, chaque ami. Qui nouveau sur canal là, chaque grand monde qui abonné avec nous, chaque grand monde qui toujours été connecté sur TV La Caille, n'a tout merci pour confiance et fidélité ou merci parce que ou pas jambe donc lagué nous. La police fouke donc yon demi douzaine criminel qui ont même tabay problème dans pays d'Haïti qui sont détournement machine, camion, marchandise, tout ça nèg sa rejoindre et bien yon mette la patte sur yo. Et puis, il y a un gros sénateur dans la République là qui dit même perdit la ville. Personne ne peut connaître. Est-ce que c'est le corona ou bien c'est l'autre? Donc, qui cas qui cause sénateur ça lui même perdit la ville. Nous allons inviter plus de détails avec donc guerrier du sel et puis un correspondant radio-télévision Caraïbe qui lui même parle nous plus de détails concernant la mort. Gros sénateur ça a été connecté sous vidéo jusqu'à la fin. N'a pas rejoint nous pour une prochaine. Monsieur Edgar, je l'en appelle, c'est frère madame Charpentier. Et en tout cas, qui lui-même trouvait lui dans le morgue, dans le moment où on a parlé là, et funérailles, il y a bien pour chanter, pas trop longtemps, lycée, maman Vélinda Charpentier, qui joint libération, le contre-rançon, matin, vendredi. On a fini avec, en tout cas, information ça, mais gagné la police avec la justice, non, oui. Tout à l'heure, Frankel, la police avec la justice, notre commune Cité Soleil, qui ont même arrêté six individus, et parmi eux, yon policier, yon arrêté yon hier, nan yon jeep rouge, sans plaque, sans papier, et puis vite teinté. Donc, vite arrière, là, teinté, selon information, nous rivez joindre. Infraction, yo, c'est détournement marchandises, association malfaiteur, vol à exam à main et à exam, et puis détention illégale, zam à feu. Donc, six individus, ça, yo, qui a arrêté, c'est Jerry Giromette, Joseph William, Jean-Louis Fritzner, Nicholson Pierre, qui c'est policier ça, et puis Valsin Jean Maudelaire, aka Francis Prophète, donc il y a même qu'elle est là à répondre une question. La justice et ses juges Evans Lévesque qui était à le fait constat de concert avec la police côté gain et on ZAM également qui saisit avec environ 9 téléphones que il joint nan men ravisseur yo papa ravisseur mais bandi sa yo ki yo même habitué nan détourner camion marchandise dans commune Cité Soleil. Et Pierre Renel nous obligé aller Jérémy avec Frankel Maginaire puisque gagné ancien sénateur Jean-Maxime Roumer qui est lui-même mouri hier. Frankel Maginaire correspondant permanent nous non Jérémy bonjour. Allô Frankel. Frankel Maginaire, correspondant nous dans ville Jérémy concernant nouvelle l'amour Maxime Roumer, ancien sénateur département Grand Assin qui mourit hier soir dans ville Jérémy suite à COVID-19 là, en tout cas selon proche Lio, testé positif, ancien parlementaire qui t'a pris soin à la Kaili, joint l'amour la cause complication qui t'a gagné dans le cas Lia jusqu'à ce que t'a gagné difficulté pour le respirer. Frankel Maginaire, nous connaît sénateur Maxime Roumer, t'es sénateur pendant 3 fois et c'est rare monde qui arrivait dans pas ça pendant tout temps ça et il t'a dirigé tout yon université dans département Grand Assin, son monde qui très connu, très impliqué dans la vie et monde dans département Grand Assin, yon première réaction sous l'an mort sénateur qui mourit hier soir, c'est ça? Oui, bonjour le monde. Et bonsoir à la fois le monde, Grand-Aslan, nous saluons à travers différents médias. Et permettre que nous élaborions comme ça, et studio, premier aspect d'information, c'est que mauvaise nouvelle pour payer la Grand-Aslan en général d'une bague humanitaire entière. Victime de la mort d'un groupe de garçons qui se jamais mourir. Après-midi, jeudi 27 mai 2021, la Kaili.
nous sommes capables de dire dans deux membres, famille ou mère, bon, oui, ou mère, dans Jérémy. Première information, apprenons, guerrier Pierre-Renel, depuis plus de une dizaine de jours, les citoyens ont gagné un malaise qui présentait sous forme de détresse respiratoire sévère. À bon créole, il n'est pas capable de respirer bien. Responsable santé publique, il y a un qui fait tout ça, il est capable. Même le c'est à domicile, qui te côté et bonbon, oxygène, athlète, médicaments nécessaires pour te sauver la vie, il connaît, qui c'était à la fois un combattant de bonne cause démocratique, mais hélas, il va agir et pour l'autre monde. Citoyen Jean-Maxime Omer, studio, pour expliquer un peu, sous plan politique, et c'est membre fondateur de coordination avec Gustav Gandas Koega, qui parle en parti politique, et mais de préférence qui sont organisations sociopolitiques sur l'instant à plein nom. Sénateur a plusieurs reprises sous le département de l'Asla, et quant au dans l'espoir, et bien sûr, n'a connu tout récemment. Et l'initiateur numéro 1, dans le cadre de rapport diplomatique coopération haïtienne qui donne, sur l'administration, présidence, délégation rurale, dans le domaine sanitaire, agriculture, bousquetie, pour jeunes femmes et jeunes garçons, qui a l'étudié dans le pays qui bat. Ancien sénateur Jean-Maxime Nouné et Pierre Hénel, et malgré, selon toutes les informations, avec un docteur qui donne, Kissé et Anne, qui m'a trompé le dénoir. L'idée, c'est la, de façon officielle, non que tout ce que nous connaissons. Et Jean-Maxime Romain est fondé par l'INOGA, qui est l'Université Nouvelle-Gadès, qui est allé de l'IA à travers FLN, ou l'ONG Côté Rato, qui travaille en protection environnementale pour protéger Pat Makaya ou Dimanche, et qui est séparé de Pat Massoud avec Gadès. La question de l'université, l'un connaît qui ça et Pat Makaya représenté en groupe au Caraïbes. Parmi les personnages arrêtés, ou d'une personnalité là, Jean-Maxime Romain, haïtien d'origine de famille roumaine, et tout d'abord qui se nomme là. Qui connaît l'écrit bien selon sa loi pour nous. Et il y a connaissance dans le domaine économique, selon l'artiste, comme artisan, il s'était toujours des travaux d'art, dans l'atelier la Kali, à partir de visite, dans l'époque qui n'était pas mal loin. Et il y a un bel tableau, et qui est capable de dire description qui est basée sur l'histoire de la nature. Alors, monsieur lui-même, c'est un monde qui est un environnement pur. Il y a un domaine élevage, j'aime de l'éducation, il fait l'hôpital communautaire pour un monde qui a ville du côté de BKD, et il fait l'école tout petit monde. Comme ça, il fait l'élevage pour cadrer tout ça, de façon à faciliter le paysage, qui donne accès à tout le bagage par eux. Et pour un jour, Jean-Maxime Mouneton, lui-même tout, il était bien attachement lui, avec toute la série de beaux garçons. T'as qu'on est capable de jouer avec son collaborateur Monique Okaali, et Baptiste Lola, et qui a pris mon connaissance sur mon Altima, que j'ai fait samedi à Gouvernement de Finis. Ingénieur Alex Lou Lama et Madame Liv Marianne qui sont combattantes en question qu'on regarde, à toute la série de l'autre monde qui me dit qu'à la boule de ça accepté. Le moment là, par là, par là, à ce type-là, il connaît, lui, voyager pour vous de là, via l'île. Mais comme même, je vis une vie vivante, visible et palpable, là, l'histoire et de l'enjeu de l'humanité en général. Nous avons un monde, nous avons un monde quelconque, et nous permettons à partir de l'évolution informationnelle, la capacité d'aller de similaire là, et de façon approfondie, et à accepter ce qu'il y a en termes de biographie et historicité, et le nommé Jean-Maxime Moulin, de la vie qui a marqué l'histoire du parvenu sociopolitique et le département pour nous dire la pays haïti en général. Galvez, c'est une question pour bonjour. Nous avons connu comme sénateur mouri de coronavirus. Est-ce que l'État prend calable en charge? Parce que comme son
nous connaît qui dans les représente la population Jérémie. Est-ce que l'État gagne cala ça dans mille déjà? OK. Voilà, on connaît jargon Gabriel Saoutija. Merci à partir de l'Espagnol. Là, je parle de ce que vous avez fait pour la chaleur, qui ça, Gabriel? En fait, je ne connais pas ou même confirmer c'est de COVID-19 que il est mort, puisque nous avons gagné sur la BCF. Bon, non. Donc, Galvez, est-ce que Caravlan est sous contrôle l'État haïtien, ou du moins si vous quittez Caravlan, dans mes familles? Et Jean Capadoula, son personnel de renom, qui a quand même un prix d'achat d'État qui fait, là, et que l'on veut ou non, il n'est pas un secret pour personne, c'est des grandes détresses respiratoires. À mon cœur, l'on est ça, l'on prend son suspicion de corona. Malgré moi-même, d'ailleurs, que ça de façon officielle pour me communiquer, nous, en tant que représentants de ce département, mais il y a un prix d'achat qui fait cadavre là, côté qui, il fait, ça ne relève de Capadou. Et question mettez la sac moitié. Vous comprenez? Oui, c'est en toutes les heures où on a une information comme ça qui est un petit peu. Exemple, on a une prise en charge sanitaire qui fait à partir de cadavre ou couteau de gaz, comme ça, en termes de. Si toutefois, tu as arrivé les tests là, on va citer ça de façon officielle, publique, okay. Et que pour que l'État lui-même, on va limiter à un certain niveau de par mesure sanitaire. Vous voyez, ça nous l'a gagné. Vous voyez, il y a des sacs moitiés qui délivrent, et c'est le ministre de la Santé publique lui-même qui va être famille proche de pour que vous fassiez une prise en charge rationnelle. Vous voyez, de cadavres et icônes. Vous voyez? C'est ça. D'accord, merci un peu. Pas de problème. Enquête de contact. Enquête de contact. À la prochaine.